Et bien, comme on dit, nous, nous avons pas la bordée Kounia là, région sud-est là, même qui sont censés gagner 4 états la donne, Espiritu Santo, qui n'a pas gardé qui est en haut à droite, nous gagnons Minas Gerais, lui-même qui est censé Pigou en haut, nous gagnons São Paulo, qui est censé en bas Minas Gerais à gauche, et nous gagnons Rio de Janeiro, lui-même qui est censé en bas de Pipiti. Eh bien, ces régions-là que nous avons gardées là, qui gagnent 4 états sur la donne, qui pi urbanisé et qui pi industrialisé. Il y a 3 villes qui importent la donne. Eh bien, c'est Rio de Janeiro que tout le monde connaît, Belo Horizonte et São Paulo. Eh bien, superficie région ça, c'est 924 511 km². Li même li 33 fois plus gros que Haïti. Région. Comme habitant, li gagne 88 371 433 habitants. Densité de population, c'est 96 habitants par kilomètre carré. On va essayer de comparer tout avec Haïti pour nous regarder. Haïti gagne 12 millions de monde. Non. Superficie par là, que nous connaissons 27 550 km², et bien nous avons 432 habitants par km², qui très très grand en pile par rapport à tout ça que nous avons là concernant l'état ça yo, que nous sommes là, ou les régions yo, que nous sommes là. Quand nous apprenons, comme on te dit nous, ville qui est importante là, dans 3 vidéos, nous apprenons Rio de Janeiro. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Parce que Rio de Janeiro, il y a un pile de bagaille pour nous la donne. Et bien, Rio de Janeiro, gagne une superficie de 1260 km². Ça n'a pas gardé là, petit point rouge que nous avons en bas là, c'est le même qui est Rio de Janeiro. Regardez que il y a gap pour yo. OK, population li c'est 6 718 000 habitants. Ils ont densité de 7 332 habitants par kilomètre carré. Population agglomération c'est 12 620 000 habitants. Le Guémerli, c'est Eduardo Paes. Si nous regardons Port-au-Prince, pour nous comparer, Port-au-Prince est 36 km² comme superficie. Population, c'est 2 754 812 habitants. Ça va en densité de 76 478 habitants par km². Ça veut dire, nous faisons trop petit. Ça, nous toujours insister sur ça. Faut diminuer sur causer à faire petit là. Taux de natalité nous trop élevé. Donc, nous gagnons trop petit. Et nous connaissons que tout autant que nous gagnons plus de monde, c'est n'a pas entré dans la pauvreté, n'a pas entré dans l'environnement endommagé. Vous connaissez donc. Ce qui signifie, si nous voulons vivre bien, il faut nous arriver à réduire les affaires causées, fait petit là. Eh bien, Rio de Janeiro, que nous avons gardé là, c'est la deuxième ville économique dans l'importance dans le Brésil. Nous sommes capables de dire que nous collaborer pour un peu plus de 10% du PIB Brésil. Eh bien, c'est lui qui représentait moteur économie et à Rio de Janeiro. Moi, je vois qui est très fort, qui est important pour nous tous. Tourisme là, c'est une grande force dans l'économie ça. Grâce à qui ça? À plage seulement.
plage et nous gagne plage. Ça fait nous pas capable faire touriste pour dans le pays d'Haïti. Comment pour nous arriver faire ça? Faut mettre tête nous en place et c'est travail ça que n'a fait là pour nous sensibiliser nous pour nous taw comment pour nous mettre tête ensemble pour nous arriver changer pays là. Faire touriste tourner dans le pays d'Haïti. Rio de Janeiro, c'est ancien capitale fédérale, dite capitale Brésil, entre l'année 1889 à 1960. Dite capitale Empire Brésil tout, en 1822 et 1888. Je dis, c'est capitale État Rio de Janeiro, c'est pas la capitale Brésil, c'est capitale État Rio de Janeiro. Eh bien, nous-mêmes, nous avons Port-au-Prince qui chargé, qui fin pollué, qui nous capable de changer la capitale là tout. Nous avons la capitale de l'autre côté, ville Sariton, ville et comment pour économie, pour tout bagaille. Mais nous arrivons à mettre notre capitale en place, côté que nous avons déplacé, nous avons créé richesse. Concours, nous changer le football là et. Philippe Vob, déplacez boule. Il a déplacé capital là, il a créé richesse. Il a déplacé moun, il a créé richesse. Ça, c'est important pour nous arriver, mettre nous ensemble pour nous dire, on fait un lot Haïti. Bien, habitants qui vivent dans Rio de Janeiro, où est-ce que Carioca. Sorti non que ba yo. Très gentil. Mais, il y a 12,62 millions qui vivent dans l'air urbain. Ça y est, le Carioca yo, c'est ça qui vit dans mi-temps ville. Rio de Janeiro même. C'est ça qui vit tout à l'heure dans grand espace yo. Yo, il y a le Carioca. Mais Rio de Janeiro, on cap dit nous tout c'est une nan métropole qui pi important dans continent américain. Et bien nous voir ouais que ville Rio de Janeiro est divisée en quatre zones géographiques. Bien, c'est pas avancé avec c'est pas pour cabo. Et bien mais quatre zones géographiques. Et bien n'a regardé rouge là, c'est centre là. Zone sud là, li orange. Zone noire, li bleu. Et zone ouest là, après le vert. Mais quatre zones géographiques qui ont divisé Rio de Janeiro. Eh bien, Rio de Janeiro est situé dans une plus belle baie dans le monde là. Il est dominé par le monde y a le pain de sucre, pain d'asuka, ak statue Cristo Redentor, encore Corcovado, mais il pêchait à une altitude de 700 mètres. Carnaval ak l'école San Barrio, l'un Rio célèbre. Plagio tout, tant coup. Copacabana, Ipanema, Leblon, Agbara, da Tijuca. Rio de Janeiro, c'est capitale culturelle pays, lycée ville qui est important sous plan artistique, avec Académie Brasileira de Letras, il y a plus grande bibliothèque pays, il y a un musée national, musée art moderne et théâtre municipal qui ont un bâtiment qui inspiré de l'opéra de Paris. Nous parlons ça tout à l'heure. Eh bien, il y a un troisième stade dans le monde là pour dimension. Le Maracanã. Il y a tout magnifique plage beaucoup de Crioa qui c'est Angra dos Reis et Cabo Frio de Búzios.
Dans le sud état Rio de Janeiro, on a vu un civil qui est parti. Eh bien, avant que nous venions en Paraty, tu as montré nous belle merveille qui est dans Rio de Janeiro. On a regardé là, on a vu l'activité, on a regardé l'architecture, ville nouvelle là, on a regardé, on a passé ça pour nous capables, ouais. Voilà. Nous voyons. On a jugé nous-mêmes, on a dit, on a regardé. Est-ce que nous avons privé là? Nous avons pile architecte dans le pays. Nous avons pile bon architecte tout. Il faut regarder ça. Nous avons pile bon architecte dans le pays. Il faut que nous avons privé là. Gardez toujours. Drafteurs qui avaient nous arriver là tout. Gardez. Tout ça, c'est Rio de Janeiro. Gardez toujours. Parce que si vous visitez la fête, ça permet de nous laver genoux, rincer genoux pour nous faire belle bagaille. Et puis, pour des nouveaux changements dans le pays d'Haïti. Quand il y a là, nous pouvons rentrer dans Paraty, que nous avons parlé là, qui c'est un petit village qui offre une façade baroque, couleur bleue, ocre, vert, qui a profité de l'eau, ça l'a gardé là, qui n'a pas de l'eau. Bien, on garde Paraty. Et Paraty. Continuez à garder Paraty. Petit village, un petit village qui est bien belle. Côté Mounio, je suis allé devant la caillou. Il m'a mis et à manger salon dans la rue. Il a embelli le quartier. Nous avons fait ça, nous avons commencé, mais ça en époque. Nous avons continué à embellir le quartier. Nous avons changé en époque. Et gagné tout, on a nettoyé devant la caillou, mettez pieds bois, peinture grès, et fait brigade vigilance. C'est comme un paquet de belles bagages que nous avons commencé, que nous avons continué pour arriver à embellir le quartier. Ça, c'est important. Et puis tout, nous allons le garder toujours. Gagné, c'est la Lomar, qui sont en montagne. Côté n'a jeune ville Petropolis qui là. Tout ce qui signifie que nous gagnons Petropolis qui fondait par empereur Pierre II que nous t'ai dans le dernier épisode non. Côté que n'a pas de belle en pile attraction touristique là tout. Ça, c'est intéressant. Et là, ma fait nous, ouais. Que nous gagnons gouverneur Rio de Janeiro, qui sont censé lui-même à gauche, et nous gagnons à droite, maire Rio de Janeiro. Mettez en compétition, faut que région, faut que état yo avance. Nous capables d'essayer de garder tout ancien à nouveau Rio de Janeiro. Eh bien, on avance pour nous garder. Ça c'est ancien Rio de Janeiro. Parce que dans chaque pays gagnait une partie ancienne et que gagnait par la suite gagnait nouvelle ville. Mais partie ancienne là, le compte Kimbeli est censé entrer dans patrimoine pays, il y a belle
la donne que ou moun capable visiter, lo aller en visiter en garder partie ancienne ville ça. Eh bien, nous te ka fait ça tout, ça ne pas ka fait là. On avance pour nous garder. C'est ancienne Rio de Janeiro. Regardez là. Nous sommes un bel édifice qui est gagné. Mais qu'il y a ancien, nous sommes comme un outil. Donc c'est un leur pour nous passer à une autre étape. Mais qui l'a franchi l'étape ça nous-mêmes? Nous pouvons prendre cap nous. Eh bien, depuis quelque temps, comme nous avons dit avec Pierre II, depuis qu'il l'a gagné train, tu as gagné électrique. Nous te gagnons tout et nous craser par nous yon, il faut nous recommencer. Continuez toujours. Partagez s'il vous plaît. Partagez. Si vous voulez, il y a l'autre image qui est intéressante pour nous avoir et tout. Oui, c'est un nouveau. Ça, c'est nouveau. Oui. Partagez, partagez. Et encore, vous avez la différence. Tout ça, c'est nouveau. C'est très intéressant. Ok. Nous connaissons chaque pays gen ti bidonville pa yo. Dans Brésil, yo rele yo favela. Yo te si tout développé nan année 1950 à 1970. Eh bien, plus passer 12 millions sous 190 millions d'habitants qui vivent. Dans le Brésil, ils vivent dans favelas. Ça veut dire 6,3% de la population a vivent dans favelas. Mais, on a parlé de Rio, on a parlé de tout le Brésil. Côté favelas, il y a dans Rio de Janeiro. Mais on apprend d'abord Belém, qui est la majorité de la population. 54% habitants à vivre dans favelas. Si nous prenons Rio de Janeiro, nous avons dit Rio de Janeiro, lui-même, il possède plus grand favelas pays. Nous connaissons un favelas qui est le Rocinha, qui lui-même vient célèbre. Mais qui est ce favelas là? Eh bien, c'est, nous connaissons, comme se dit nous, c'est bidonville. Eh bien, bidonville sa famille la, yo pousse kou djon djon. Et men ap regroupe toute population qui pauvre yo la donne. Moun ki fèk vini, ki pou gen kay, fami ki sans travail, moun ka viv nan kote marginal yo. Si tout travaille, ki pauvre yo. C'est là tout que tout moun ki pa gen assez, ki pa assez kop yo al pi logement yo, men yo tombe. Non, ça veut dire favelas. Mais, n'a regardé, c'est yo qui met d'œuvre yo. C'est là tout qu'on a sorti pour y aller travailler. Yo servi travailler informel, yo servi comme femme de ménage, comme caissière, comme ouvrier journalier et comme vendeur qui dans la ria y a brassé l'argent. Mais quand ça vous va regarder là, yo souvent concentré sous pontio tout même j'ai la caille et yo fait avec matériaux de fortune que occupéré et n'a dit sous n'a dit pour du yo et ils ont besoin yo ça rejoindre dans la rue yo passer yo prend et situation ça m'a dit nous même j'ai la caille engendré un pile accident les gagnants par exemple après pour la pluie oui, que gagner un glissement terrain. Bien, l'eau sa yo, pral mini fondation, et puis tout bloc caillou glissé tombé. Majorité caille qui n'en favela, si yo t'aime pas si on t'y si fait la favela, c'est quand même, ma parler de yo, faut que moi montre yon
camper pour nous favela ça bien passé ouais mais favelation n'a vu nous que comme ça dit nous tout à l'heure c'est la donne yo sorti tout la tout monde et puis y aller dans rio n'a regardé à gauche là nous et gros caillon nous toute activité qu'a fait en bas mais tout n'a sorti dans favelation pour y aller travail dans rio. Et bien majorité caille ça yo qui dans favela ça yo gagne 2 à 3 pièces la donne mais yo occupé par 5 à 8 moun. Insalubrité a bay kek problème. Et puis tout n'a gardé dans majorité kayo, yo pa gen assez fenêtre, gen ti fenêtre tout petit, ça empêchait yo bon circulation l'air dans kay la. Ni rentrer lumière tout qui favorisait propagation maladie respiratoire. Mais d'après Patricia Canton qui est pneumologue de l'École nationale santé publique Rio. Et bien on passe en revue qu'on a pour nous faire favelation comment il y est. Mais favelas, nous regardons, nous commençons à la caille. Hein? Continuez à regarder favelation comment il y est. Regardez, c'est tout, nous te disons sur tout le monde. Et nous, tout le monde pays d'Haïti, commencer à gagner favelas, ça veut dire que tout le monde qui cap chercher son côté priorité, pas gagner développement qui fait assez pour que gagner et logement social, mais yo même y aller dans favelas. En Brésil, gagner en pile logement social, mais nous yo doit pas gagner moyen puis affronter logement ça yo bah grand pile. Mais yon entre dans favela. Mais pour la kay, pas de logement social du tout. Faut que nous vivons pour nous diminuer un peu dans favela. Pour la kay, avait dit non, bidonville pas nous, pour que nous arrivions à faire de logements sociaux pour la population. On continue à regarder. Tout ça, c'est les favelas. Ça n'a pas gardé bon la caille tout, il commence à peinturer bon la caille tout comme ça. Regardez. Voilà. Il n'a pas gardé fil courant comment il passe. Il y a insécurité. Mais ce qui a trait à favelas. Si nous aimons environnement tout, tendez bien et puis gardez. Ça me va dire là. Là, parle de végétation. Mais forêt tropicale là, lui recouvre plus que 90% du territoire Rio de Janeiro. Là, regardez là. Vous pouvez aller avec moi. Vous pouvez passer forêt avec moi parce que maintenant, on va être spécial pour nous. Yon grand proportion territoire te dévasté par urbanisation avec plantation, on a café avec sucre. Un petit espace qui te préservé yo, eh bien, yon chita dans montagne yo. C'est ça que fait n'a regardé, ville Rio de Janeiro li même li joui de plus grand forêt urbaine dans monde là. Parce que dans mitan ville la même n'a bien forêt. Forêt ça da Tijuca. OK? Qui sont vestiges de forêt atlantique là, Mata Atlantica, qui ont été préservés dans la ville là même. Ça, l'important pour nous commencer à planter du bois, pour nous faire une bonne végétation dans le pays là et tout côté que nous avons fait logement. Nous ne sommes pas capables de parler de l'eau, mais la rivière qui est plus importante pour Rio de Janeiro, c'est Paraíba do Sul qui sortit São Paulo et qui marquait frontière qui gagnait entre État São Paulo à État Rio de Janeiro. Non, à État Rio de Janeiro avec Minas Gerais. Donc, il marquait frontière ça. Il sortit dans São Paulo et puis il traversait, il marquait deux frontières ça.
Partagez s'il vous plaît, nous allons aborder un autre point qui est intéressant. Partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, partagez. Eh bien, Kounia, nous allons aborder un point d'intérêt. Qui point d'intérêt qui gagne dans Rio de Janeiro? Qui ça fait au monde pour le garder pour aller Rio de Janeiro? Ça va dire là, c'est intéressant. Eh bien, soubienge, gardez bien. Et puis, gardez le monde qui va côté là. Pour les cap bien apprécier le tout, pour les cap partager by l'autre. Parce que les touristes entre le Brésil, comme dit nous, mais quelques bagay qui intéresse les pour les premier bagaille pour le taoué, c'est ça, n'a pas gardé là, qui est le Christ Rédempteur. Eh bien, c'est un gros statue, Christ là, qui surplombe la ville là, depuis un sommet de 709 mètres, dans Corcovado. C'est un symbole qui est très reconnu dans Rio. Plus passé pain de sucre là qui c'est pan de sucre. Eh bien monument ça qui n'a gardé là li de renommée mondiale. Il était construit en 1922 à 1931. Il était financé presque net par contribution catholique brésilien yo k'ap viv dans Rio. Parce que faut me dit nous plus que 50% brésiliens, c'est catholique. 90% brésiliens, ils pratiquent une religion. 97%, ils croient dans mon Dieu. Mais c'est ça que fait, ça tue ça, il est là. Et il ramène en pile monde, en pile catholique qui sont de l'autre côté, vient garder statut ça. Pas seulement vient garder, non. Gen moun nou pral repita, kap soti, n'importe l'autre côté, yo vin fè baptême la, vin marié la. Mais bel statut sa, avec art décoratif sa, li te créé par un sculpteur franco-polonais qui relé Paul Landowski. Et li te construit par un ingénieur brésilien, Hector da Silva Costa, en collaboration avec un ingénieur français, Albert Caco. Eh bien, monument ça, il fait en béton armé avec tout stéatite. Stéatite là, son belle roche très tonne qui à la fois résistant et puis molle tout, qui composé avec silicate magnésium comme ça. Mais ça fait que, n'a pas que, statue ça, les belles comme ça. Personnage là qui dans statue là lui mesurait 30 mètres de hauteur. Brali étant sous 28 mètres. Lui pesait 635 tonnes métriques. Ça qui est intéressant, dans base lui qui gagne 8 mètres de hauteur, gagne une chapelle là-dedans. Chapelle ça qui toujours gen mariage ak baptême sans garder derrière. Tout le monde c'est là y a vinn faire baptême, y a vinn marié. Qui ça nous pas ka faire là? Ça que me dit ça? C'est parce que nous met quoi de près. Son quoi? Depuis petit monde nous te qu'on a là. Tu on a tiré en pile monde al quoi de près. Nous songe c'est gagné maire de Port-au-Prince, ancien maire, qui est candidat à la présidence, c'est Carmen Christophe. On si nous compte, c'est son ça. Qui était venu lui-même, ouf,
fait quoi ça pour te mener touriste. Il était mal acheté quoi m'a connait mais il était blé refait pour qui ça nous pas mettre un centre d'attraction dans quoi des prix. Il me dit qu'on a quoi des prix là me dit. Quoi des prix loin de loin qu'on a gardé très loin il quoi des prix. Marcher pourquoi ou tu pas arriver là dedans quoi des prix ou pourquoi jamais pas arriver là dedans. Quand même Christophe tu voulais mettre yo lumière ou à toute lumière pour bien moi garder quoi de près ça peut arriver ça peut être qui fait mais c'était un bel projet qui va attirer touristes et ben nous cartonner avec parce que va essayer ramener nous à tout ça qui bon pour nous arriver pour faire pays ça et bien deuxième bagaille on va regarder là mais son montagne quel est pain de sucre. En portugais, il dit pão de açúcar. En anglais, il dit sugar loaf. Eh bien, nous parlons, ouais, ça est pão de açúcar. Au pão de açúcar, n'abgadé, non, mi-temps, c'est lui qui pão de açúcar. Eh bien, son yon sommet, n'a pas gardé là, qui gagne 296 mètres dans le bouchou, ben, n'a pas gardé là. Ben, Guanabara, qui en face océan Atlantique là. Montagne, ça a accueilli le pain de sucre là. Eh bien, c'est phénomène naturel, puis célèbre Rio de Janeiro. Lycéon, dans toute montagne monolithique à granit, à quoi surtout? Région qui plus fréquentée pour vue panoramique que lui offrit sous villa. Nous capables chaque 20 minutes comme ça, gagnons téléphérique en vert et transparent qui a fait un parcours de 1400 mètres sorti en panda sous cara à sommet Morro da Urca. Il lui offrit une vue qui est très agréable à 360 degrés sous paysage urbain qui environne là. On a regardé des bagages ça. Et pour regarder des téléphériques qui passent en l'air qui peut aller dans le pan d'Asuka. Pan d'Asuka, et on sait à muitos brasileiros que tant Jean de sa et chez vidéo au pensou que a gente pod indicar a origine do nome pão de açúcar. Ai diferentes versões históricas. Segundo historiador Vieira Fazendo, formas portuguesas que deram esse nome pela semelhança do sítio geológico com uma forma feita de madeira ou metal, em que os blocos de açúcar foram armazenados e transportados para a Europa. Eu quero saber se há outra versão do pão de açúcar, da origem do pão de açúcar. Mesmo, como eu disse lá, eu creio que tem um pilo brasileiro que está de lá, eu sou capaz de dizer se ganhar ou l'autre origine pain de sucre là. Parce que moi-même, d'après ça me connaît, c'est version que je gagne, c'est le portugais qui était venu avec non pain de sucre là. Parce que l'autre était semblé avec site ça que nous avons gardé là, géologique ça, il était semblé avec bois, en bois ou en métal. Que te mette bloc sucre, les a transporté yo, en magasin yo, puis au porté yo en Europe. Eh bien, maintenant, on connaît si gen l'autre histoire. Donc, Brésilien sa ou ki la, m'tan que non, commentaire yo, et a indiqué. Si vous se podes, et dans les commentaires, indiquez-moi à origine de nos panda suka, pour favor. Maintenant, babos, na, kounya la nou pral ale nan Copacabana. C'est troisième point. Troisième point, c'est Copacabana. Son lot point d'intérêt
qui gagnait dans Rio de Janeiro. Eh bien, on passait pour garder Copacabana. Donc, on entendait parler de Copacabana. Mais Copacabana, son belle plage à sable qui est mise sous 4 km de longueur dans Newport Centreville que n'a gardé là. Tout près sable et ça dans jeune avenue Atlantique qui c'est Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Dans ti oui ça qui dans voisinage yo tout. N'a joine des bâtiments anciens qui est plus passé 100 ans qu'a attiré touristes vinn garder. N'a joine deux hôtels qui raffinés à des restaurants à café populaire. Bien n'a joine palais qui célèbre palais Copacabana qui très célèbre qui construit depuis l'année 1920 et qui protégé comme monument national. Ça c'est Copacabana. Nous avons appris encore, c'est Ipamena. Vous pouvez regarder là, Ipamena. Qui sont plage tout, Ipamena? Par exemple, nous pouvons aller dans l'ouest rivage, 4 km Copacabana. Nous avons une plage Ipamena, avec le blanc, qui sépare lui-même par un canal, canal jardin de là, qui draine la lagune dans la Goa au Rio de Feitas. Et tout le long promenade de l'Omea, n'a joué un grand hôtel, café, terrasse, à restaurant. Mais deux quartiers, ça y est, que qu'on est sous tout ce population, eh bien, yo très célèbre. Yo gagne une vie culturelle qui est animée. Yo des galeries d'art, yo des cinémas, à un théâtre. Et puis, place Quintal dans le blanc. Est-ce que ça lié? Ils sont au théâtre marché antiquité. Tous les dimanches, tout bagay antique, yo vin vann yo la les dimanches. Et nous gen place général Osorio a. Et même il y a que foi artisanal Ipamena chaque dimanche tout, mais lui il gen artisanal, gen musique, il gen toute qualité manger local si vous voulez manger. Ça c'était l'autre point d'attraction. Bien, nous ka continuer toujours pour mettre l'autre point d'attraction qui gagnait. Non. Rio de Janeiro. Gen un parc national Tijuca qui protège lui-même forêt. Forêt Tijuca a plusieurs autres points de vue qui surplombent ville là. Les entouré Cristo Redentor là, que nous t'ai allé aller entouré lui. Gros statue Christ là sous Corcovado. Et bien, si nous explorer parc ça, nous pas besoin river à train. Juste dans le parc là, nous avons quitté le chemin. Ok? Et puis, ça nous capable de faire, nous marcher et nous à travers la forêt, nous suivre la route là. Ok? Et il y a environ 3300 hectares comme ça. C'est une plus grande forêt dans le monde là qui est dans mitan yon ville. Vous entendez? Grande forêt qui est dans mitan yon ville. Et bien, il était planté. Non, fin année 1850. Sous qui t'es lié, c'est une plantation café. Puis vous protégez qui ça? Sous l'eau, cap baille l'eau dans Rio de Janeiro. Vous entendez? Il est là pour protéger sous l'eau, cap baille l'eau dans Rio de Janeiro. Nous-mêmes, nous avons sous l'eau qui était dans Pétionville, qui t'a baille la ville de l'eau. Nous avons construit dans toute zone non, qui fait que. Soucieux, ça y est abandonné. Donc, pas de protection pour soucieux. On a parlé de sous plaisance. Donc, en plus de l'autre soucieux encore, il n'y a pas protégé. Mais majorité pied-bois, ça y est, qui ça y est, ce sont des espèces indigènes. Et qui ça y est, fait, y a fourni un habitat pour singes, pour catissiaux, pour toucan, pour faucon, pour papillon bleu. Qui brillant que nous jouons dans Rio de Janeiro. Ah, yon paquet de espèces d'animaux sauvages. Nous avons toujours dit que le papillon jaune nous yon. Mais yon aussi le papillon bleu brillant. Mais c'est dans la forêt à lui. Eh bien, beau gars là, dans le chemin de fer pour Kouadoua, nous avons tout là, Boticario.
yo nan plas ki tre bel, ke nou ka di ki pitores nan Rio de Janeiro, e ki entoure tout pa bel kay stil kolonial. Napre plizye kaskad, nou gen kaskad tout la kay, kap sot nan Sousio, kap tombe nan Fourea. Nou gen yen kaskatin ya li menm, ki soti de 30 mètres de hauteur. Ça, c'était Youn, l'autre encore, point d'attraction qui gagnait dans Rio de Janeiro. On a continué pour nous. Gagnait, ça aurait le jardin botanique. Mais bel bagage, encore, jardin botanique. Mais il couvrit 350 acres. Nan piye mon Corcovado jardin botanique Rio de Janeiro de combiner un secteur écologique à jardin exposition et puis tout bon laboratoire scientifique la donne bien ça relé yo orchidarium côté gagnant qui c'est un cerf en fer et en verre qui construit dans l'année 1930 faut montrer nous li qui gagnant ça relé des orchidées la donne. Voilà. Donc, il y a 2000 espèces orchidées. Il y a un jardin japonais avec les cerisiers. Il y a nous pour en bois. En pile bagaille dans le jardin ça. Qui censé une réserve biosphère UNESCO. Et puis, il gagnait 8000 espèces plantes, oiseaux, animaux. Et puis, nous sommes capables de promener, comme nous avons gardé là, aller ça, dans le jardin, sous palmier, nous avons gardé là, voyou. Eh bien, c'est belle bagaille, nous sommes capables de faire tout dans le chariot électrique qui gagnait pour nous capables de visiter tout le parc là, si nous avons visité. Eh bien, bon, l'autre encore. Nous allons parler de lui, et nous t'ai parlé de lui déjà, non. Et dans bel bagaille qui ça s'est attiré attention mon au Brésil. Ça c'est orchidée, mon qui va connaître orchidée, on passe orchidée quand même. Nous carré sans orchidée. Et kounya là nous pour aller dans stade là. Nous connaît dans Brésil. OK. Mais stade ça que n'a gardé là. Si on a un plus grand stade, mais Villa t'est accueilli, nous connaît Coupe du Monde football là en 1950, 2014 et en 2016 là, plus Jeux Olympiques d'été. Ça, c'est un autre centre d'attraction pour moun vin dans stade, ça vin garder gros stade ça qui gagne dans Rio de Janeiro. On a continué toujours et pour nous garder. En dans stade ça, font ouais gros spectacle là. Regardez en dans stade, ça c'est belle bagaille. Ça fait tout le monde a voulu venir dans stade ça. Côté yo gagné, yo environnement qui attrayant pour venir regarder match. On a point d'intérêt encore. Eh bien, c'est escalier. Sainte-Thérèse. Eh bien, c'est un quartier côté Rio Peturi. On a un quartier très calme. Caillouk la donne, il y a plus pas que 100 l'année la donne. Donc, c'est l'ancien caillou, c'est le centenaire. Eh bien, quartier est Sainte-Thérèse. C'est le quartier ça qui est plus animé dans Rio. La vie de café à restaurant, côté tout artiste et intellectuel, yo vin jwenn inspiration. Eh bien, c'est une attraction touristique qui pire ça dans Rio de Janeiro. L'escadaria, c'est la ronde. Eh bien, de 1990 jusque M. Mouri, on a parlé de artiste là d'origine chilienne, Jorge Celaron. Eh bien, il te recouvri yon long volé marche devant la caille. Qui ça le fait? Il était en mosaïque, en carreau, en poterie, en miroir,
Ben, couleur bleu, couleur vert, jaune, couleur drapeau Brésil, là, j'en ai regardé là. Et bien, c'est la ronde qui ça a été fait. Mettez le plus près pour nous capables, ouais. Mais c'est la ronde qui a commencé par utiliser tuile cassée. Quelle était qu'on prend sous chantier construction avec la dévolution vieille caille. Mais ça t'a attiré attention tout ici. Et bien, il y a la donne qui a commencé pour te bali, pour tri à tuile qui sortit tout partout dans le monde là. Et bien, ça arrivait. La vraie pièce là, on avait plus passé 60 pays représentés. OK, dans marché plus passé 60 pays représentés dans 250 masses ça yo qui couvrir longueur de 125 mètres. Zone ça vient tourner un lieu de tournage de films toute bagaille en zone ça. Donc ça sont le centre d'attraction encore. Nous gagne match d'escalier, c'est bien haut, c'est bien match d'escalier bon Saint-Gérard, c'est gros escalier tout qu'on a monté bon Saint-Gérard tout. Et pas oublier, nous gagnons tout, 500 marches, que nous gagnons tout, non. Dans le sud là, au coteau, nous gagnons un pile bagaille que nous décapons tout. Eh bien, bien que nous connaissons Chamlan, c'est dans le fond, dans le Rio, qui bon, belle vue, un pile attraction, à l'autre bagaille, tant que l'église, à couvent, ça m'intéresse là, qui date de 1720. Eh bien, comme musée, musée Chacard, au CEO, qui a une collection belle œuvre moderne la donne de Picasso, Miro et Matisse, et bien sculpture chinoise tout, 17e à 19e siècle. Ça, c'était 8e point. Nous allons arriver sur 9e, parce que ma bonne 10 points d'attraction. Là, nous arrivons dans un autre point d'attraction qui c'est théâtre municipal. Là, regardez belle architecture théâtre municipal. Et bien, théâtre ça a été construit dans le début 20e siècle. Il nous capable toujours. Il était inspiré par l'Opéra de Paris de Charles Garnier. En dans les plus ornés, plus luxueux toujours que façade que nous regardons là. Mais point qui est important pour nous, en dans les, c'est sculpture. Enrique Bernadelli a peinture Rodolfo Almoedo et Eliseo Visconti. Des rideaux tout qui perdent dehors et puis plafond. Ça, c'est intéressant au monde aller dans Rio de Janeiro ou pas capable de visiter le théâtre municipal. Nous avons un théâtre pas nous tout. Théâtre de verdure. Que tu es venu reprendre. Il te fait en grand terre. Mais tu as ça. Pour qu'ils ne pas continuer. Si tu es en bon côté, mais qu'on y a là, avec l'insécurité qui est là, hein, ça, on peut le faire de théâtre de verdure. Eh bien, nous avons travail pour nous faire. C'était le théâtre qui t'a accueilli, le théâtre de verdure. T'es en reconstruction. Est-ce que théâtre en avance et puis devant? En mon 10e point. 10e point, c'est pas que tout le monde aime en pile. Et au monde pas capable arriver Rio de Janeiro pour pas tomber dans le carnaval. Eh bien, on a regardé devant nous là. Carnaval Rio de Janeiro. On a regardé le monde. On a regardé comment on a déplacé et comment on a fait tout. Parce que un pile touriste déplacé vient garder carnaval.